Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on poursuit notre let's play de Red Matter 1. Bon, je suis assez content parce que... alors, c'est pas du tout moi qui l'ai géré. je sais pas du tout pourquoi ça s'est fait. Mais on a, ça y est, la possibilité avec la manette de pouvoir avancer, reculer sans trop de problèmes. On va voir ça ensemble. Est-ce que je pouvais... Ah non, fallait que je passe par là. Ça me permet de simplifier grandement la façon de jouer. Là-haut. Pourquoi tu veux pas aller là-haut? Faut-il que je passe par là alors? Je croyais avoir réussi la dernière fois à monter plus haut. Hop hop hop. Ouais. Attendez. On remet bien droit les choses. Pourquoi je peux pas monter? J'étais monté la dernière fois. On va essayer d'avancer un peu. Peut-être qu'il faut que je recule. C'est étonnant. Oh, je suis parti où là? Ah, c'est bon. C'était en face qu'il fallait aller. C'est bon. Par magie, ça a marché. Bon, bref. Alors, qu'avons-nous ici? Là, il y a une histoire de pression à mettre en route pour pouvoir démarrer ce truc-là. On va tout ouvrir, hein. Là, il y a un tube qui arrive par là. On va essayer de s'approcher. Il faut envoyer la bonne dose, semblerait-il. C'est trop. Non, c'est pas assez. Carrément pas assez. Peut-être d'abord que j'ouvre les deux. Alors. Toi, je t'ai ouvert. Je te ferme maintenant. Et toi, je vais te fermer. Pas assez. Pas assez. Là, on est pas mal. Alors normalement, je peux, en allant vers l'arrière, avancer. Ce qui est très bizarre, mais ça fonctionne. Là-bas, il y a un truc bleu. Est-ce que c'est en rapport avec ça? Et j'ai deux zones. Essayons d'avancer par là, comme ça, et on va aller là-bas. Il y a un truc en hauteur, encore la même chose. Une histoire de boisson. Alors, il faut le baisser, certes, mais... Alors, monter et baisser le levier à plusieurs reprises pour pomper Stas. Ah. Hop là.
Allez, on y va. Raté. Et voilà. Ouais, voilà, j'en ai un deuxième ici maintenant. Oh, doucement. Je peux sauter, on va aller en face. On se dépêche. Alors. Les deux grandes d'abord. Il y en a trois. Et à plus là. Ça nous fait quoi ça? Ah bah pec. Nickel! Coup de bol! Allons par là, ici. Ici. Et là-bas, et on aura les quatre. Ouais, je me déplace beaucoup mieux là. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais ça fonctionne. On y va. Non, raté. La deuxième. Et voilà. Ouais, ça s'est ouvert là-bas. Allez, on y va. Je sais pas ce qui va se passer. Je comprends pas par contre pourquoi j'ai plus de... Je vois plus les sous-titrages. Options, j'ai rien touché, hein. Accessibilité. Bon là on est pas mal, mouvement continu, clignotant. Attirer les objets, oui. Clignotant, tournant, non. On continue, oui. Zone de sécurité 180. Sous-titres, bah oui. Pourquoi t'es parti, toi? Ah, c'est le fond de sous-titres. Je vais le rajouter. Normalement, il n'y en avait pas. Non, j'avais rien touché. Ça fonctionne pas, je sais pas. Quand je tourne comme ça. Alors, il se passe quoi? Allez, un ventilo. Cool. C'est-à-dire. Oh! Lui, il ouvre une porte. La matière rouge. Ah, t'es flippant, toi. Que? Transmission en cours. Accéder à la zone de sécurité. Ouais. On y va. Hop. Oh. Lâche-moi. Et voilà, pourquoi tu veux pas aller là? Bon, il veut pas. C'est pas grave, on va repasser par là. On va repasser par là. Ah, oh, c'est génial. C'est génial.
Et lui, il est là-bas, quoi. Ouais, je suis encore hors de portée. On a tout allumé. Je vais essayer au niveau des options de remettre le fond de sous-titre. Peut-être que c'est ça qui va venir, je sais pas. Ah, mais c'est flippant. T'es qui, toi? Avec sa planète là, comme ça dans le visage. On y va, on est courageux. Mais je pense qu'il est là pour nous filer un coup de main, lui. Pas absolument méchant, quoi. J'ai rien pour me défendre, de toute façon. Je suis obligé de tendre la main. Il a disparu. Ouais, on voit la pièce. Non? Un message écrit avec du sang. La prochaine fois que nous nous verrons, ce sera dans mes rêves. Pas d'informations. Ah oui, un pion rouge. On l'a eu. Oh. Ouais. Bah écoutez, allons-y. Ça me rassure pas vraiment. Avec ma pauvre lumière là. Ah, c'est flippant. Eh, normalement, j'ai pas trop à craindre. Je me suis renseigné sur le jeu avant. Je suis pas le plus rassuré avec ces jeux-là. Mais normalement, il n'y a pas grand-chose à craindre. Par contre, on arrive, on est passé à travers le mur, quoi, en fait. Ah ouais, mon vieux. Il se passe quoi, là? Bienvenue, camarade. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Bah écoute, ça va? On est rendu là, nous. Ok, là j'ai une porte. Ici, rien d'autre. C'est tout ce que tu peux dire? Si j'appuie là-dessus, là, il se passe quoi? Il y a un film? Le cercle et le rond? Sélectionner option correcte. Alors, c'est rien, moi. Le cercle et l'option correcte. Sélectionner option correcte. Bien joué. Le cercle et l'option correcte. C'est ce que vous deviez faire. Merci. Entrez ces formes. Quelle est la plus grande? Sélectionnez l'option correcte. Bah, il faut que je sélectionne ça. Pourquoi? 3. Et un cube. C'est tous les deux des cubes. Et lui, il a l'air plus grand. En effet, c'est la plus grande, mais c'est la correcte. Voyons un autre exemple. Quoi? Entre ces deux formes, quelle est la plus grande? Il n'y en a pas? Ah, j'en sais rien, moi. On met les deux? Un vrai dilemme, pas vrai? Mais chaque décision compte. Ce test est calibré. Voyons des dilemmes réels. Vous avez commis une grave erreur qui concerne d'autres personnes. Comment réagissez-vous? Soit on prie, on s'excuse, soit on s'excuse un peu, mais mais on est content quand même. On a commis une grave erreur. S'excuse. On est désolé. Vous êtes humble, mais pas détermination. N'espérez pas que quelqu'un arrange vos erreurs, camarade. Quelqu'un qui agit de bonne foi commet une illégalité et pourrait être puni.
Vous informez les autorités? Ouais, mais c'est un pays de balance, ça, normalement. Non, c'était de bonne foi. C'est moi l'autorité, je t'emmerde. Être loyal à un ami vous fait bon camarade. Être loyal au système fait de vous le patriote dont ce pays a besoin. Est-il justifiable de sacrifier une vie pour en sauver une autre? Ah ben, ils vont dire qu'il faut le faire. Hein. Enfin, si c'est une vie pour une vie, non? Et ça, c'est quoi là? Sacrifier une vie pour en justifier, enfin, pour en sauver une autre. Ça, c'est sauver, ça, c'est sacrifier. C'est quoi? C'est quoi la différence en fait entre les deux là? Parce que là, lui, il a tué quelqu'un, en gros. La compassion est une faiblesse qui met en danger tous vos compatriotes, camarades. Ouais, on sait, hein. Une navette n'est pas suffisante pour évacuer tout le monde. Où seriez-vous? Eh ben, ouais, on va faire le beau gosse, mais parce que c'est parce que je suis pas à la place du truc. Je vois que malgré tout, dans le rare cas, vous choisirez la même chose. Intéressant. Fantastique, je n'espérais pas moins de vous. Vous pouvez retourner à vos tâches, je tiendrai Nikolai au courant de vos progrès. Ah, et ça, c'est le truc pour. Pour nous renvoyer sur le bon chemin, entre guillemets. Résultat du test de loyauté. Accéder à la zone de sécurité, oui. Donc on s'approche. Ça, c'est la zone de sécurité. Bon, écoutez, tant pis, on n'ira pas ce qu'il dit. Enfin, moi, en tout cas, je ne vois pas. Je sais pas si sur la vidéo, on le verra ou pas. C'est ultra bien fait. C'est génial. C'est tout à fait le genre de choses qu'on pourrait avoir dans ce genre de centre s'ils avaient existé. Ont-ils existé? Allez savoir. On n'en sait rien. La vérité est ailleurs. Ça m'étonnerait. À mon avis, ça m'étonnerait. Mais bon. Y a quoi là? Là on voit toutes les pièces. Alors là ici on va avoir des boutons à remplir. Ici le jus ne fonctionne pas. Et notre but c'est d'allumer ça, mais pour pouvoir ouvrir la porte. Ce scanner d'accès semble avoir été trafiqué. Eh ben oui. The documents are kept behind this door. Try to figure out how to get it open, Epsilon. Nicolas Mathurin, conseiller de sécurité. Face à l'échec d'Irina, pour contrôler le champignon rouge, toute la base a été mise en quarantaine. Ponctuation de loyauté de Olga. Ça c'est les ponctuations de travail, ouais, voilà, de tout le monde. De Sacha. On en a 4. D'Irina. De Stas. Ah, ici, il y a Stas aussi. Alors, il faut réussir à ouvrir cette porte, mais aussi ouvrir celle-là. Alors, qu'avons-nous là? Ici. Il se passe rien. Là. Je vais reculer. Je vais reculer. Ça ne marche pas. Un, deux, trois, quatre. Eux non plus ne restent pas, il n'y a pas de jus en fait.
Il y a un truc là? Une tasse, super. Tu dis rien sur les autres, mais par contre, tu dis qu'il y a une tasse. Ça. Là, ici, j'ai les couleurs 1, 2, 1, 2. 1, 2 et 1, 2. Mot de passe 1-4-C-6. Ah, j'ai que des 1-2, donc ça, je pense que ça change rien. 1-4-C-6. Ah, attendez, il est là-bas. Ah, le sol, on s'y croit rien. Franchement, il y a des textures qui sont vraiment bien foutues. Alors, 1, 4, 7, 6, 1, 4, 7, 6. Mot de passe erroné, essayez à nouveau. Eh merde. Un 4, c'est 6. Oh, je suis un naze. Alors. 1, 4, C. Alors, le 6 comment là? 6 à l'envers ou 6 normal? Well done, Epsilon. We can patch into their system now. Accès au système principal autorisé. Le scanner d'accès semble avoir été trafiqué. Ouais, mais non, on peut rien faire. Je peux avoir accès ici alors. On va voir. Je peux rien faire avec ce truc là. Intrusion en cours. Démarrage du système opératif de sécurité. Appuyez sur le bouton pour commencer la séquence de système d'annulation manuelle. Intrusion en cours. Et quel bouton alors? Exposer. Ah! Protéger. Hiberner. Occuper. Unité arithmétique logique. Vectoriser. Résoudre. Séquencer. Calculer. Mais c'est quel bouton il faut? Alors démarrage du système. Appuyez sur le bouton pour commencer la séquence du système d'annulation manuelle. Exposer. Protéger. Hiberner. Occuper. Non, c'est rien. Ouais, ça marche pas non plus. Ah ben voilà. C'est-à-dire... Là, il est en train de charger. Déplacer la banque de données 2 à la position 1. Activer le circuit de sécurité. Ah merde, attendez. Exposer. Protéger. Hiberner. Occuper.
séquencer, calculer, résoudre, vectoriser, accès aux archives, contrôle du flux, contrôle d'urgence, détection d'intrus. C'est bon. Déplacer la banque de données 4 à la position 2. Mettre l'unité arithmétique logique à calculer. C'est-à-dire mode de surveillance, détection d'intrus, circuit de sécurité. Ah, c'est quoi arithmétique logique? Attendez. Et non! Ah! Résoudre. Calculer, c'était celui-là. Bon, on recommence. Erreur intrusion bloquée. Appuyez sur le bouton pour essayer de nouveau. Bon. Passer le serveur principal à exposer. Circuit de sécurité. Détection 1. Mode de surveillance. Contrôle des flux. Protocole d'urgence. Raté, bon d'accord. Ça c'est le truc de serveur principal, faut que je les regarde tous avant là parce que je fais n'importe quoi moi. Alors, compresseur auxiliaire, unité arithmétique logique, et serveur principal. Et ça c'est la banque de données, ok. Passer le compresseur auxiliaire à protéger. Mais non, mais c'est quoi le protection auxiliaire? Ah oui. Hop. Mettre l'unité arithmétique logique à vectoriser. L'unité arithmétique logique, elle est là. Alors, vectoriser. Déplacer la banque de données de 3 à la position 1. Passer le compresseur auxiliaire à exposer. C'est lui. Hop. Passer le serveur principal à hiberner. Ah mince! Je touche le... Mais non, mais je touchais le mur, là. Oh. Allez, on recommence. Passer le serveur principal à hiberner. Ouais, c'est bon, ça. Mettre l'unité arithmétique logique à résoudre. Déplacer la banque de données de 3 à la position 2. Activer la détection d'intrus. C'est où détection d'intrus là? Déplacer la banque de données 2 à la position 2. Passer le serveur principal à protéger. Non, c'est là, le serveur principal. Ah, c'était chaud! J'ai pas cette mémoire, moi. T'as tout ça pour ouvrir une porte? Ok. Qu'est-ce qu'il y a?
Oui, accès à la chambre forte, d'accord, on l'a. Là, y a un flingue quand même. Hein. Le document est illisible après avoir passé le contrôle de sécurité. Ouais, bah toi aussi, certainement. Ouais. Quelques numéros barrés. 3468, 4677, 5886, 6095. Après qu'il y ait. Après, il y a un 7 et puis plus rien écrit. Bah, c'est-à-dire. Ça, c'est ce qu'il a déjà essayé en fait. Par contre, ça doit commencer par 7, très certainement. Alors, analyse de données en cours, ça va nous donner quoi, ça? Unité de données chargée dans la mémoire. Base de données, Volgram actualisée. Ça nous ouvre la sécu. Est-ce que par magie, j'aurais quelque chose, là? Tous les mêmes, là. Sont tous illisibles. Bon. On va re-regarder ça parce que... Ça commence par un 7, je pense. Et donc j'ai un paquet de trucs là. 3468, ça ne fonctionne pas. 4677, ça ne fonctionne pas. 5886 ne fonctionne pas. Et après, plus rien d'écrit. Est-ce que j'aurai un endroit où j'aurais pourrais voir quelque chose? Rien à cacher, rien à craindre, ouais, c'est ça, ouais. C'est cela, oui. On voit rien sur les côtés. Je vois rien. Voilà, j'ai touché le mur encore. Ce coffre contenait une arme. Ouais, super, on a vu, hein, on avait capté en fait. Alors imaginons que tous les chiffres qu'il est donné ne puisse pas servir. Le deuxième chiffre, ça ne peut pas être un 4, ça ne peut pas être un 6, ça ne peut pas être un 5, et ça ne peut pas être un 0. Ouais, mais là... ça va pas marcher, mon histoire. Ouais, mais non, il m'en faut plus, là. Ça va pas le faire, ça. Ça va pas le faire. En plus, je l'ai tant au pif, mais... C'est un peu ridicule parce que je suis pas du tout sûr que ça puisse pas être ces chiffres-là. On sait juste que ça commence par un 7. Bon, j'ai récupéré une carte. On va peut-être déboîter, enfin, pouvoir ouvrir autre chose. Parce que ici, là, j'ai une nouvelle porte. Accès de sécurité refusé. Un code est nécessaire. Diantre. Ah, bah j'en sais rien. On va essayer de se rapprocher. Ah, je trouve le sol extrêmement bien fait. Mais comme à son habitude, le 2 était pareil. On a vraiment l'impression d'y être. Ça, c'était quoi là juste à côté? Rien. Aucune info nulle part.
caméra, surveillance 2. Alors on va regarder. Vidéosurveillance activée. État de la chambre forte ouverte. Quarantaine activée, le niveau 2. La zone a été clôturée. Et là, on a un code là, non? Ouais, mais il m'a servi tout à l'heure. 14C 6. C'est pas ça. On va regarder, on sait jamais. Si là je voyais quelque chose, mais. Oh! Ça. Ouais. Pas de chiffres là. Là non plus. C'est les zones où j'ai déjà été en plus. On va essayer d'éviter de péter le truc qui est autour de moi. Là, je me souviens plus y avoir été là. Caméra de surveillance 1. Ouais, c'est 1, 2, 3, 4 en fait. Hein. Ah, bah je sais pas. Là, y'a rien de marqué. Hein. Et ici. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a rien. Bon. On va fouiner un peu, je vais fouiner un peu pour voir. Si on trouve pas des petites choses, mais j'en ai pas l'impression. Hein. Document est illisible, bah ouais. C'est que des documents illisibles. Il n'y a pas d'autres documents, hein, je crois pas, non. Il s'ouvre pas. On sait pas, c'est le bazar. Ouais, c'est encore les mêmes documents, ça. On va regarder s'il y a des trucs en haut, mais... En dessous de la chaise, mais non. Quelques numéros barrés, 3600, enfin 34, 68, 46, 77, 55, 86 et 60. Il y a un 7 et plus rien d'écrit dessus. En plus c'est un 7 mais ça veut pas dire que ça marche. Oh c'est compliqué hein. Ça peut être un 9.
Il s'ouvrirait, de toute façon, je pense qu'il passerait. Trois, six. Enfin, quatre, six, huit, zéro. C'est dommage qu'on n'entende pas un truc. On n'entend rien en fait. Huit, sept, six, cinq. Six, sept, huit, neuf. Saleté de trucs à la con. Pas d'informations. Bon bah écoutez, c'est pas grave, on va s'arrêter là. Hein. Je vois pas. Est-ce que c'est une histoire là? Il y a des bombes sur le mur, on sait jamais. C'est recherché là, souvent, hein, donc c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. J'espère pas. C'est étonnant que ça soit pas là. Il y avait un flingue et c'est tout, des balles. On vérifie quand même au cas où. Non. Danger, risque d'électrocution, ouais, bah ouais. Une caméra de surveillance. Alors par contre, il y a une caméra de surveillance. Est-ce que ça n'aurait pas été enregistré? On sait jamais. Ça serait quoi comme caméra? Là, c'est soit noir, soit ça. Donc, c'est pas ça. Là. Je connais pas cette zone. Et là, y a rien. Là. C'est les deux zones qu'on vient de faire. Et ça aussi, je crois. Hein. Ouais. Je ne sais point. Mot de passe. Alors, on va peut-être aller discutailler avec le robot aussi. Peut-être que le robot peut nous aider, on sait jamais. Ah, est-ce que ça serait pas une histoire de test à passer? Wow, 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 il y a un truc là. Début du protocole rouge.
Terminal I4, assistant pour équiper. Hein, c'était sans être en train d'enregistrer. Fantastique, oui, bah oui, mais formidable donc. C'est pas là. C'est pas là. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. On va s'arrêter là. Je vais donc vous laisser. Vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vais vous dire à bientôt. Moi, je vais voir, essayer de tourner, virer. Et puis, si c'est trop complexe et je n'y arrive pas, je pense que j'irai chercher la solution. Hein. On va pas non plus. Ça me surprend en fait de pas pouvoir avancer, sachant que normalement j'ai débloqué ce qu'il fallait là. Accès interne de sécurité interdit, le code est nécessaire. Oui. On avait l'accréditation là-bas. Ah, je vais regarder si c'est pas l'accréditation. On va tester ça. Hop. Ouais, non, il n'y a rien noté. Il n'y a rien noté. Ok, allez, je vous dis à bientôt, au revoir. Parce que là, je ne sais point.